Bienvenue aux nouveaux et aux anciens abonnés. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo de coiffure, comme vous l'avez vu. Donc j'ai fait des longues tresses bleues et noires. Donc j'avais fait une vidéo il y a 2 ans de cela, et depuis j'ai pas fait des tresses. Donc ça fait plaisir de refaire des tresses. Comme vous l'avez vu, on dirait une jeune fille de 20 ans. Mes filles, elles m'ont dit qu'on dirait une jeune fille. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir fait ces tresses, ça m'avait trop manqué. Donc j'ai passé 2h30, 3h à faire les tresses, donc ils sont fort longs. Donc j'ai bien étiré les mèches pour faire les tresses, pour avoir plus de longueur. Et franchement, j'ai fait ça plus rapidement que d'habitude. Parce que j'ai pris beaucoup de cheveux et beaucoup de mèches, j'ai fait des gros en fait. C'est plus gros que mes tresses que j'avais fait il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, c'était des tresses gris et noires. Je vous mettrai la photo là quelque part. Donc voilà, donc vous avez bien aimé parce que la vidéo elle a fait pas mal de vues. Et du coup je me suis dit pourquoi pas la refaire, et cette fois-ci avec une couleur différente. Donc j'avais un petit peu peur par rapport à la couleur, mais ça va, j'aime bien. Christophe, il n'est pas fan, mais bon, le plus important, c'est que j'aime bien moi. Donc voilà. Donc je vous laisse regarder la suite, donc comment j'ai réalisé les tresses, et on se retrouve tout de suite après. À toutes. Donc je commence toujours avec des grosses tresses. Donc je prends beaucoup de cheveux en fait. Pour pas que mes cheveux ils se cassent, et en même temps pour éviter de mettre trop de tresses, parce que comme vous le savez, les longues tresses comme ça c'est lourd, et du coup pour éviter que ça soit trop rempli, je prends beaucoup de cheveux, et en même temps ça va éviter de casser mes cheveux. Donc voilà. Et quand vous prenez les cheveux, il y a une technique en fait, même si vous faites des grosses, il y a une technique pour pas que ce soit trop espacé en fait. Donc quand vous partagez, vous prenez vous faites 2 tresses côte à côte, et ensuite vous prenez au dessus pour remplir le vide du bas. Donc je vais vous montrer là. Donc là j'ai prends une à côté, donc ça fait côte à côte. Une fois que j'ai fini celle là je vais venir prendre au milieu, comme ça à chaque fois je comble en fait. Vous voyez, là je viens prendre au milieu pour combler le trou du bas en fait. Et c'est comme ça que je procède sur toute la tête pour avoir plus de volume, on va dire, pour pas avoir trop d'espace. Donc quand je prends les mèches, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je les étire en fait, vous voyez, pour que ça soit beaucoup plus long, parce que je veux que ça soit plus long que la longueur du mèche, parce que c'est 24 pouces. Donc là quand j'étire, j'ai 28 pouces facile.
Là, c'est le moment de faire une petite pause. Donc, j'ai pris un bon thé à la vanille. Trop bon, j'adore ce thé. Et j'ai pris 15 minutes, 10-15. J'écoutais en même temps ma musique. Donc, après ma pause, je commence le devant. Donc, j'aime bien parce que ça veut dire que j'ai fait le plus gros en fait. Et je vous conseille de prendre équivalence de cheveux que les mèches en fait. Sinon, ça risque de casser vos cheveux. Donc, je continue toujours à faire la même méthode en fait. Donc, je prends toujours au-dessus pour cacher, pour éviter de faire des trous. Donc, comme vous l'avez vu, je prends pas mal de cheveux quand même. Donc là, j'ai fini un côté et j'attaque l'autre côté. Comme vous voyez, il me reste pas grand-chose là. J'ai morflé. C'est long, il faut avoir vraiment de la patience. Rester comme ça 2 heures et demie passées pour les tresses, c'est fatigant. J'ai presque fini. Donc pour les mèches, ça a été juste hein, parce que j'ai mis 6 paquets, mais juste juste. Hein. Donc il faut prendre 6 paquets parce que moi j'ai pas, je trouve que j'ai pas trop de cheveux. Hein. Mais si vous avez plus de cheveux que moi, je vous conseille de prendre 7 ou 8 paquets. Après ça dépend si vous voulez avoir du volume ou pas. Enfin, j'ai fini. J'étais vraiment contente de finir. Ouf, j'en avais marre. Avec le temps, c'est plus pareil, hein. Mais bon, ça fait que 2 ans, hein, mais bon, j'ai plus l'habitude de me faire des tresses tout seul. Donc là, j'ai fait bouillir de l'eau. Donc pour permettre de lisser les bouts. Et aussi bien les fixer en fait pour pas que ça se défait. J'ai eu pas mal de questions par rapport à ça, pourquoi je mets dans l'eau chaude. Voilà, c'est pour ça. Ça permet de bien fermer les bouts et bien les lisser. Surtout, prenez une serviette pour vous protéger et pour essuyer avec après. Surtout si vous êtes débutante, évitez de vous brûler. Faites attention parce que l'eau chaude, c'est dangereux quand même. Moi, j'ai l'habitude, mais si vous êtes débutante, il faut faire attention. Voilà, c'est fini. Il faut savoir que j'ai eu cette longueur parce que j'ai étiré les mèches. Sinon, si vous ne le faites pas, vous avez plus court que ça en fait.
parce que c'est 24 pouces et là j'ai presque 30 pouces en fait. Ça dépasse les fesses et j'aime trop la longueur. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ne faites pas ça quand vous venez juste de finir vos tresses parce que ça fait mal. Donc moi je le fais pour la vidéo, mais sinon je l'aurais pas fait parce que ça fait mal. Laissez-vous le temps, faites-le le lendemain ou 2 jours après, le temps que ça se détende en fait. Attaché, je trouve que c'est super joli et là j'ai essayé, je sais pas qu'est-ce que j'ai essayé de faire là avec cette coupe, mais bon, je voulais faire un petit truc différent. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous montrer différents chignons que vous pouvez faire avec les tresses. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, me donner votre avis et surtout abonnez-vous à ma chaîne, partagez, likez. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous aime. Ciao, ciao!